Bye, salut à tous ceux qui espèrent que vous allez bien les gars, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Skill to Kill, je suis de retour. Alors ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas proposé d'épisode de Skill to Kill, j'en suis vraiment désolé. Et dans cet épisode, j'avais vraiment envie de m'amuser, c'est-à-dire que j'ai vraiment fait une équipe pour m'amuser quoi, avec beaucoup de joueurs 5 étoiles, je m'en battais un petit peu les couilles du collectif. Et j'ai mis les joueurs que je préférais à chaque poste en fait. Donc il y a du Chikawi, il y a du Depay, il y a du Neymar en BU, ça peut paraître n'importe quoi. Et j'avais vraiment pas envie de vous proposer un épisode de PD pour ce prochain épisode, enfin pour ce nouvel épisode où je suis de retour. Alors, pourquoi tant d'absence? La faute à quoi? Simplement un manque de temps, d'empêchement souvent. Et puis voilà, il faisait beau, je préfère les dehors, je dois vous avouer. Donc voilà, pas mal d'absence, un mois je crois d'absence, mais je suis de retour. Et bel et bien de retour, et vous allez voir que cet épisode est vraiment exceptionnel. J'ai adoré cet épisode, vraiment j'avais envie de vous proposer un beau gameplay pour mon retour. Et c'est chose faite. Il y a vraiment du très très beau but. Et le dernier match, il est, vous l'avez vu dans le site, de toute façon je vais pas vous le cacher, c'est contre Dzonné, voilà le joueur, mon skiller préféré. Donc voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de chance de jouer contre lui et ça me fait super plaisir de vous proposer. Vous voyez, dès les premières minutes, 30e minute, je commence déjà à skill et j'adore jouer avec cette équipe parce que vraiment ça me fait super plaisir. Et voilà, 35e minute, hop, j'arrive avec des petits dragbacks, la petite roulette, le petit Neymar Hocus Pocus, je frappe avec deux pailles, pouf, ça fait but. Un très très beau but, mais c'est pas le dernier. Vous allez voir que je vais vraiment marquer des très très beaux, comme je vous l'ai dit. 45e minute de jeu, il arrive, il fait des petites dribbles sur Agbonlahor. Il avait une belle équipe silver, je sais pas, vous avez remarqué. Il a quand même mis Courtois au goal. Et par contre, Agbonlahor pêche un peu la finition. C'est vrai que c'est un joueur argent qui, je sais pas ce que vous en pensez, mais depuis, il me semble, FIFA 12, je crois, il est en joueur argent à 74. Enfin, en tout cas, il est très très près du or. Et jamais il vient en or en fait, c'est-à-dire que c'est toujours un joueur argent très très bon. Mais il restera toujours argent, il est vraiment très très bon en argent. Et voilà encore un superbe but de McGeady. Vous voyez, j'enchaîne vraiment les gestes techniques avec cette équipe. J'adore cette équipe, je vous l'ai déjà dit. Et voilà, j'arrive vraiment à marquer des très très hauts buts. Mais j'ai aussi tenté deux belles actions. Vous voyez, j'enchaîne des passes. Hop, je fais des petits drag back fake, la petite roulette. Et je la récupère avec Fernandinho, très très beau tacle, tac l'enroulé, magnifique enroulé du pied droit de Fernandinho. Je la récupère, j'ai beaucoup aimé ce but également. Excusez-moi! J'arrive, je tacle, je récupère, enroulé. Je vais tousser un peu parce que j'ai mal à respirer depuis tout à l'heure, je sais pas si vous avez remarqué. Et 83ème minute, il va un petit peu réduire le score, mais bon, il y avait quand même 3-0, je me suis fait plaisir dans ce match parce que l'adversaire, mais bien qu'il ait une belle équipe, il était un peu faible, je dois l'avouer. Donc voilà, je me suis fait plaisir. 3-0, j'ai marqué de très très beaux buts, on passe directement au deuxième match, toujours avec cette équipe, je vais pas changer. Je dois vous avouer, je vais peut-être faire quelques épisodes avec cette équipe parce que je l'adore. Dites-le-moi dans les commentaires si vous aussi vous voulez que je fasse des épisodes avec cette équipe parce que c'est vraiment une équipe que j'adore et avec laquelle je prends énormément de plaisir. Donc voilà, je pense que je vais continuer avec, mais je vais quand même vous proposer quelques autres équipes, j'en ai pas mal en tête. J'ai une très très grosse équipe que je me suis construite avec tous les meilleurs joueurs de mon clan en fait. Il y a du Messi, il y a du Griezmann Boost. Il y a vraiment du très très lourd, du Ribéry. Je vais vous la présenter. On tombe sur une équipe assez faible, à 80 de collectif. Et pareil, je vais me faire plaisir. Donc là, voilà, je joue un petit peu en tiki-taka, comme on appelle. C'est-à-dire, je joue à une touche de balle et ensuite j'enchaîne avec un des skill run. C'est ce que j'aime beaucoup faire. Et ensuite, avec Chikawi, je tente une combo. Donc cette combo, je l'ai beaucoup tentée. C'est-à-dire que je recule, je ne sais pas si vous la connaissez, et je recule avec L2 R2. Donc ça fait une espèce de moonwalk. Alors à l'image il a une très très grosse action. Ça fait une espèce de moonwalk et ensuite je tente le coup du foulard. Mais vous allez voir dans le dernier match, je vous dis rien. Je vous dis rien, mais en tout cas voilà, je l'ai tenté, j'avais envie de le marquer. Je l'ai tenté plusieurs fois, je l'avais mis cette combo une fois, donc elle est dans le team 10 de la FIFA Skill School, je crois que je l'ai pas mis dans une de mes compilations. Encore une fois avec Neymar, je m'amuse beaucoup, même s'il est en BU. Il a pas beaucoup de collectif, mais toujours aussi bon. C'est vraiment exceptionnel ce joueur. Je pense que c'est le deuxième meilleur joueur du jeu en geste technique derrière Ronaldo, si je me trompe pas, étant donné qu'il n'y a plus Ibra maintenant. Enfin, si on compte pas Ribéry, mais je préfère quand même Neymar à un petit Ribéry parce qu'il a plus de physique. Et voilà, la 60, qu'est-ce que je te dis, 35e minute, Neymar il s'arrête. Je la retente encore une fois, vous voyez, je tente beaucoup cette technique L2 R2 et je tente le coup du foulard. Ça ne marche pas. 42e minute avec Chikawi là, les petits dragback fake. Je suis un élastique au shop, pas un élastique au shop, une feinte de frappe, excusez-moi. J'enchaîne, hop, je dribble le gardien avec une double talonnade et je finis. Donc encore un très très haut but, donc j'en ai vraiment mis des beaux dans cet épisode. Tac, je dribble le gardien, hop, et je finis tranquillement. J'avais envie de faire un petit skill shot que j'ai pas réussi.
61e minute, et il va poser quelques problèmes avec Villa pour Roberto. Pour Villa, il va arriver face au gardien et il va frapper à côté. Alors que je la voyais vraiment dedans. Je pensais vraiment qu'il allait marquer. Il m'a posé beaucoup de soucis. Il a pas vraiment su concrétiser, on va dire, mais il a vraiment eu beaucoup de tirs. Je sais pas si j'ai laissé les stats à la fin du match. En tout cas, toujours est-il qui m'a posé beaucoup de problèmes. Dernière action du match à la 95e minute. Chikawe qui se retrouve face au gardien. Je tente une petite combo, comme vous pouvez le voir, qui ne marche pas. Et ça va être la fin du match sur ce score de 1-0. Donc il a eu beaucoup, 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 beaucoup d'actions. J'en ai eu très peu, mais j'ai su concrétiser. J'ai marqué un très beau but, donc je suis content. Donc on va passer tout de suite au troisième match. Donc trois matchs dans cet épisode. Dites-moi si aussi ça vous convient. Avant, je mettais 4. Maintenant, j'en mets que 3. C'est un épisode. Enfin, ce sont des épisodes un peu plus courts. Et voilà, je vous laisse l'animation où je tombe contre le mec, c'est Zoné. J'avais pas remarqué au début que c'était lui. Je commence à faire prêt. Et c'est là, à ce moment où je vois Zoné assez, je me dis putain, je joue contre Zoné. Et son équipe mythique avec Ronaldo en attaque, les gars. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs. 5 étoiles de stats techniques dans son équipe. Donc voilà, Zoné. Sa chaîne est dans la description. Allez voir si vous connaissez pas. Le meilleur skiller pour moi. Et je vous ai mis le match dans la description. Alors je sais pas si à l'heure où vous regardez la vidéo ils seront upload, mais je pense que je vais mettre le match entier, parce que comme vous le savez, c'est un match de skiller. C'est à dire qu'il y a beaucoup de skills, mais il n'y a pas beaucoup de frappes. C'est à dire que il y a beaucoup de gestes techniques d'élimination de joueurs, mais enfin, souvent on n'arrive pas à concrétiser. Donc voilà, c'est un match skill, un match entre deux skillers. Je sais pas si vous avez déjà vu. Il y a Amslo, je crois, une fois, Axo avait joué contre Zyuka. Donc voilà, c'est des matchs comme ça où en fait il n'y a pas vraiment beaucoup d'action. Voilà, là il se retrouve face au. Enfin, il n'y a plus de gardien et il frappe pas. Voilà, c'est des matchs comme ça, les matchs de Xyz Killer. C'est à dire qu'on s'en bat les couilles de gagner, on s'en bat les couilles de perdre ou de marquer des buts. Enfin voilà, c'est un match. Donc voilà, on tente des trucs qui peuvent paraître bêtes, comme cette grosse frappe là que je tente avec McGeady. Mais si ça rentre, c'est vraiment magnifique. Et vous allez voir qu'il y a vraiment eu des beaux buts, que ce soit de son côté ou du mien. 31ème minute, hop, voilà, je tente la petite combo avec. Je la lève en l'air et je tente la retourner. Malheureusement, ça passe pas. Et voilà, la 37ème minute avec Neymar. Regardez-moi ça, il fait l'Ocus Pocus. La roulette, il la met pour Ronaldo. Et Ronaldo, il va m'éliminer avec un Ocus Pocus. Il fait la roulette, il me dribble le gardien, le skill shot. Donc voilà, ça se concrétise pour lui. 38ème minute, un magnifique but vraiment de sa part. 38ème minute. Donc voilà, je suis dominé 1-0 et pendant tout le match, voilà, ça va être assez serré. Il tente le coup du foulard, vraiment bien joué de sa part. On change de côté pour la mi-temps, encore une action de sa part. Hop, il jongle, il frappe avec Ronaldinho. Donc voilà, c'est des trucs comme ça, les modes de skill-là. C'est-à-dire qu'on tente des trucs qui peuvent paraître débiles, on tente des gestes techniques. Comme à l'image, là, vous allez voir, je concrétise pas l'action, mais je fais quand même je fais un bel enchaînement de gestes techniques. Donc voilà, c'est ça les. Comme je vous l'ai dit, c'est ça les matchs de skill-là. Je me répète assez, hein. Mais voilà, si vraiment vous voulez voir du beau jeu, allez voir dans la description, j'ai mis le match complet. Je sais pas s'il est upload, à l'heure où vous regardez, mais il sera upload d'ici très peu. Donc voilà, et 80ème minute avec son Ronaldo, il arrive à faire quelques beaux gestes techniques. Et voilà, 94ème minute avec Neymar, j'arrive face au gardien. Hop, je recule, tac, coup du foulard, magnifique. J'ai adoré ce but parce que ça fait longtemps que je voulais le marquer. Et voilà, le mettre face à Zoné à la dernière seconde en plus, je me rue un peu plus vers l'avant parce que j'avais vraiment envie d'aller aux prolongations et de jouer un peu plus, d'avoir encore un peu plus de plaisir. Voilà, je recule, R2, R2, coup du foulard en lob. Vraiment un très beau but que j'ai apprécié. Voilà, hop, je recule et je mets le coup du foulard. Donc voilà, vraiment un très beau but. On passe aux prolongations puisqu'il y a un partout. Voilà, je tente encore une fois un truc à la 94ème minute avec Chikawi. Donc je tente le chest flick enchaîné d'une retournée. Je fais le geste en même temps de la retourner, je sais pas pourquoi. 86ème minute, il tente une frappe lointaine qui n'aboutit pas. Et il a failli me mettre un très très beau but là, à la 111ème minute avec son Ronaldo. Vous voyez, ça, on le voit qu'il a vraiment des facilités en geste technique. Malheureusement, il a pas su marquer. Il me finit avec un arc-en-ciel et heureusement, c'est capté pour moi. Donc voilà, ça va se terminer sur ce score de 1 partout. Les pénalties, il y aura 4-5. J'ai pas envie de mettre la fin parce que ça sert à rien tout simplement. C'était Zorki. J'espère que vous avez apprécié. Lâchez un like, allez voir la chaîne de Zoné. Peace!